Brazo, era als hij doet. A-S-O. A-S-O. Fais vite, pardon. C'est mon nom. Mboula. Appelle le Mathieu Solasi ici à l'Ouest. Faut briser tout aujourd'hui. Finalement, il connaît pas. Finalement, on connaît plus le meilleur tireur. Thank you.
En croyant à ce que moi je fais, je sais ce que je suis en train de faire, ce n'est pas les victoires qui peuvent, n'est-ce pas, me faire changer ma manière de travailler ou bien les défaites. Donc moi je suis tout à fait persuadé que nous on a une belle équipe avec des bons jeunes. Ceux qui parlent autrement, c'est absolument leur problème. Moi je ne gère pas des situations pareilles parce que là, je suis un entraîneur de foot et pour moi la réponse est sur le terrain. Alors, moi je vais remercier mon coach qui a cru en moi, le coach Richard Toa qui ne cesse de m'aider, de me corriger chaque fois que je fais des erreurs. Je suis entré, j'ai marqué deux buts, je rends grâce à Dieu. C'est pour la première fois? Oui, c'est mon premier, c'est maintenant que j'ouvre mon compteur de buts. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Dis-moi, vous avez pris le penalty, c'est le premier but que vous avez mis en confiance ou vous avez l'habitude? Non, j'ai l'habitude de marquer les penalty avec de mon équipe. Est-ce que votre équipe a douté après le 1 but à 0 ou de AS à la première mi-temps? Non, on croit en nous. Hein. Puis le reste, c'est Dieu. On a cru en nous, le début à la fin. Quand les gens qui sont censés être neutres prennent parti, tout le monde voit, les spectateurs sont même là. Nous sommes à l'extérieur, imaginez-vous. Nous sommes à l'extérieur, mais le public eux-mêmes. La plupart sont avertis, mais regardez vous-même la scène qui se présente là. On ne fiche pas qu'on peut perdre. On en a perdu contre UMS et contre Fovu à la première journée. Mais quand il faut perdre de cette manière, c'est honteux pour le football camerounais. Moi, je dis les arbitres doivent être conscients de tous les efforts que les dirigeants font, de tous les efforts que les entraîneurs font toute une semaine pour venir gâcher une rencontre comme celle-ci. C'est vraiment très décevant.